sur la plage abandonnée. Jalil l'espère et Laetitia Hallyday passe du bon temps. Ce week-end, il semblerait que les amoureux aient décidé de profiter des privilèges que leur offre la vie en Californie. En témoigne une photo publiée par le réalisateur sur Instagram, sur laquelle la veuve de Johnny Hallyday prend la pose sur un immense lit posé en plein milieu du sable face à l'océan et à un magnifique ciel azur. Un spot paradisiaque pour se détendre avec pour fond sonore, le doux bruit des vagues. Un moment dont la maman de Jade et Joy semble se délecter si l'on en croit le grand sourire qui illumine son visage. Le cliché n'a pas manqué de faire rêver les internautes, quelle chance vous avez. Profitez bien du soleil mais surtout de l'amour, c'est beau, c'est pur, c'est romantique. Le paradis sur terre, merci @jalilspare pour cette merveilleuse photo, peut-on ainsi lire dans les commentaires. D'ailleurs parmi tous les messages, c'est glissé un adorable compliment de Jade Hallyday à l'attention de sa maman, trop belle a écrit l'adolescente de 16 ans en ajoutant plusieurs emojis avec des cœurs dans les yeux. Voir cette publication sur Instagram, une publication partagée par Jalil l'espère, @jalilespère, Yanis l'espère, le frère de Jalil l'espère au plus mal pendant ce temps, les nouvelles n'étaient pas aussi joyeuses en France pour le petit frère de Jalil l'espère. Le week-end s'est en effet plutôt mal fini pour Yanis l'espère qui s'est retrouvé aux urgences. Le jeune comédien a publié dans sa story Instagram, une photo où sa main apparaît bandée, week-end fini, tendon coupé. A-t-il indiqué en légende, s'il n'a pas dit davantage sur les raisons de cette vilaine blessure, celle-ci ne semble pas anodine. Ce sont donc plusieurs jours de convalescence qui attendent l'ancienne star de fais pas ça avant de pouvoir à nouveau se servir de sa main gauche. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités.